what's up yo, c'est Prince de Relax One, c'est Prince de Relax One, bro, bro, bro. Rockin' Squat, Big Pharma, poison légal. Du poison légal, ça existe du poison légal? Normalement tous les poisons sont illégaux, mais s'ils peuvent faire du profit sur du poison, ils vont appeler ça poison légal. Et nous parlons de la Big Pharma. Big up à Rockin' Squat, encore une fois, ils ont reposté ma première vidéo, ma première réaction vidéo de eux. Illuminazi 666, non, 1776, ils ont reposté 4000 vues, merci. Après j'ai réagi à Rockin' Squat, France-Afrique, qui lut encore une fois. Et today, on va réagir à Big Pharma, clip officiel. Bon, j'avais préparé les paroles, mais comment dire que mon téléphone s'est éteint, c'est dead. So, je veux regarder les paroles juste après, je vais faire ça sur internet, vite. Avant tout cela... Allez, go check ma chanson. À chaque fois que j'écoute une chanson assez killue comme ça, je parle de ma chanson killue que j'ai sortie, Nouvel Ordre Mondial. So, allez, go check cela. Je mettrai tout ça en description. Mais sinon, chaque mois, je sors au moins 2-3 chansons. Allez, go check cela aussi. So, pas plus de blabla. Allons, go check cela. Big Pharma, poison légal. Assassin. Hey! Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Mon flow au service de la musique sensée. Industriel, responsable santé. Taurine dans les maternisés. Y'a plus de limite à leur intérêt. Cours vite, ils veulent te piquer. Covid, covid, l'info est tronquée. Où sont mes druides et mes hérétiques? Tous brûlés par l'église catholique. Crucifiés pour leur rapport magique. Monde de fous et d'antibiotiques. AMEA, FDA, ils prient un dieu qui n'existe pas. Diontal, Vic, Mediator, combien de scandales, combien de morts? H1N1, brevet Baxter, un an avant le premier cas sur Terre. Codex Alimentarus, tout est chelou comme à Columbus. Donc j'évite de croire sans vérifier. La première médecine ne pas tout gober. Ils ne savent plus soigner. H1N1, breveté par Baker. Ça, je savais pas ça. Ils ne savent plus soigner. Hello les girls. Ils ne savent plus commencer. Barium, strontium et panda chimique. Aluminium ou virus sans limite. Trop d'avions figures géométriques. Trop de moutons en position stoïque. On est leur cobaye comme dans Laborus. Mais mon médecin s'appelle Confucius. Coup d'avant sur la danse du diable. T'es manipulable donc infréquentable. T'es pas Claude Galien, t'es pas Hippocrate. T'es pas Avicenne, t'es pas Esculape. J'suis méditation, Ayurveda. Acupuncture, méridien mantra. Médecine chamanique, médecine druidique. Juste milieu, méridien cosmique. Garde la santé sans vie excessive. L'équilibre de Bouddha, médecine préventive. La Utsa, Sangyamena, Surya Prabha, Chandra Prabha. La nature est belle et unanime. Généreuse mais rarissime. Plein de remèdes pour ceux qui l'observent. Plein de douceur à qui la préserve. La tu ton aliment soit ta seule médecine. Une plante est saine que par la racine. Ça c'est vrai ça. Que ton aliment soit ta seule médecine. Et pas l'aliment OGM, pas l'aliment modifié. Ils ne savent plus soigner. La naturelle, le naturel. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ça, c'est de la médecine. Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Il te donne poison, prison planète. Il te donne la solution. Naturelle, plante naturelle, plantée, nutrition naturelle. C'est pas de la Big Pharma. Big Pharma, rockin. Alors, normalement j'ai mon tel pour cela, mais mon tel s'est éteint. Pourquoi? Je sais pas si c'est la batterie ou bien, you know, l'état agit. Alors, ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ah, je crois qu'il dit commencer à commencer. Docteur, docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Alors, là vous allez me dire, c'est quoi le serment d'Hippocrate? Alors.
Gavé de Médoc, c'est la Big Pharma. Effectivement, comme je l'ai dit au début, la Big Pharma ne guérit pas, elle crée des clients. C'est une entreprise. La Big Pharma est une entreprise. Tu tombes malade, ils te donnent un médicament et ce médicament-là va te rendre malade encore une fois. Ça te guérit un peu. En fait, c'est un médicament, 50% on va dire. Mais ça te... c'est un client en fait, comme j'ai dit. La Big Pharma crée des clients. C'est pour que c'est un cercle vicieux en fait. Alors que je ne dis pas que les médecines naturelles, les plans naturels vont te sauver toute la vie, vont te rendre immortel. Mais c'est juste que le fait que la Big Pharma, ils font ça que par le profit, en fait, c'est ça que je veux dire. So, couplet numéro 1. Mon flow au service de la musique sensée. Of course, comme ils ont dit, les cartels de banque ne contrôlent pas mon rap. Ça, c'est un rap qui n'est pas contrôlé. Il n'y a plus de limite à leur intérêt. Effectivement, comme je dis, tout cela, c'est pour l'argent. Alors, cours vite, ils veulent te piquer. Vite, l'info est troquée. Of course, nous savons tous que cette pandémie a été planifié depuis très longtemps par les élites et que l'agenda 21, l'agenda 30, nouvel ordre mondial, Rothschild, tout ça. On va me traiter de complotiste encore une fois. Je ne suis pas complotiste, je ne complote rien. Mais il y a des preuves, il y a des choses qu'on peut voir et que malheureusement d'autres personnes ne peuvent pas voir. Où sont mes druides et mes hérétiques tous brûlés par l'église catholique? Alors là, ça, là c'est du deep, là c'est du deep. Ça part dans les 1900, truc ça. L'église catholique. Si, regardez ma réaction à Frisk Orléans juste avant. Je parle de ça. L'église catholique et ma pensée sur l'église catholique. C'est Roi Enoch featuring Frisk Orléans. Juste avant ça, en fait. Alors, dit Antalvik Mediator. Combien de scandales, combien de morts? Bon, peut-être ma vidéo va être censurée si je dis cela, mais comment on va faire cela? Comment utiliser les mots sans être censuré? Ah, comment utiliser les mots? Bon, l'entreprise qui fabrique le Xinva Zerfa. Faites du verlan. Ça, c'est juste pour qu'on ne me censure pas. Zerfa. A été déjà porté plainte contre cette entreprise. Non, oui, cette entreprise pour avoir causé des cancers à millions de personnes. Aujourd'hui, cette entreprise nous donne des Xinva pour soi-disant nous guérir. Pareil en Amérique. Sun John, faites du verlan pour comprendre. Ils ont porté plainte contre cette entreprise qui a causé des millions de cancers aux gens. Et aujourd'hui, cette entreprise donne des Xinva aussi à la population mondiale. Tout est chelou, comme à Columbus. Donc, j'évite de croire sans vérifier. La première médecine, ne pas tout gober. Of course. C'est vrai que c'est dur parce que les gens ont grandi dans cela. Ils ont été endoctrinés comme cela. Mais toujours poser des questions aux gens. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on appelle le mal sur terre le malin. So, Rockin' Squad, Prison Planète et l'album 2021. Ok, je savais pas. Mais la chanson, c'est Big Pharma. Bon, j'ai écouté l'album, il est déjà sorti. Non, je ne sais pas. So, l'album, c'est Prison Planète. La chanson, c'est Big Pharma. Peace by Prince, Rockin' Squad. C'était du lourd. Le clip, j'aime bien. Big up aux filles dans le clip. You look beautiful, girls. Et je veux réagir à d'autres Rockin' Squad, of course, il y a encore plein de masterclass, comme on dit. Et likez, partagez, commentez, montrez du love au vrai rap, au rap que les banques ne contrôlent pas, au rap sensé. You know, Rockin' Squad, assassin, you know, et c'était Prince, the realest one, et allez, ciao, bye!